J'ai accompagné mon père sur la plage et pour la première fois dans ma vie de repérer un nid d'une tortue, c'est lui qui m'a appris ça. Un jour, il a enlevé la machette, il a envoyé la machette en l'air. La machette était déjà partie sur la tortue. Il a commencé à marcher la nuit aussi. Il a dit, bon, ce que mon père m'a appris, il va essayer de faire aussi. Ce jour-là, malheureusement, il n'avait pas trouvé une tortue sur la plage pour la tuer. J'ai eu la chance de trouver aussi un nid. J'ai commencé à creuser à au moins 50 cm. J'avais déjà retrouvé les œufs de la tortue. Et j'ai ramassé tous les œufs, je les ai mis dans mon sac. Je suis rentré au village. Le lendemain, je les ai fait cuire. J'ai goûté, c'était doux. C'est comme ça que j'ai commencé le braconnage. Et c'est comme ça que l'ONG CEM est venue vers moi. On les a dit que la Pika, qui est un grand braconnier dans ce village de Roc. Donc vous pouvez l'approcher. À travers les formations, j'ai commencé à être converti à la protection. Je suis de Pepkrou. Nous sommes du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un petit peuple qui est en bordure de la mer. Ma mission, c'est de prendre les différentes mesures de cette tortue, la largeur et la longueur. La distance aussi de la tortue à la ligne haute marée, de la tortue à la brousse. Tout ça, je dois mentionner ça dans mon cahier. Chaque nuit, je marche 8 km aller, 8 km retour, pendant 6 fois. Et ça, je le fais pour la recherche des tortues. Dans la semaine, on a eu 3 litres, 6 bêtes, 25. 25 olivates. Ouais, dans la semaine. Ah, là, tout le semaine que la semaine. La semaine, oui. Et donc, quand tu es arrivé au moins, en moyenne, combien de bêtes as-tu? La semaine, j'ai libéré près de 302 bêtes. Parce qu'il y a eu 3 nids qui ont éclos. Ah, d'accord. Oui. Espérons que c'est 300 en au moins la moyenne de. Ouais, ouais.
300 qui soient vivants. Ça serait encore mieux. À la transplantation, j'ai fait 615 œufs enterrés. Super. Tu peux avoir combien de nids dans les closeries? Je suis à mon 55e nid. 55e nid. Super, c'est bon. Les braconniers m'ont beaucoup fatigué de la semaine. Le chef de blé serait saisi et sa notabilité sur ce cas de braconniers. Le but de voir combien de fois ça va réduire. Okay. Ils ont carrément dit que c'est vrai, dans les années antérieures, il y avait des espèces qu'ils avaient l'habitude de capturer, mais aujourd'hui, ils n'en ont plus. Mais moi, je pense que c'est de continuer toujours dans la sensibilisation. Voilà. Passer peut-être dans les villages qui ne sont pas en bordure de mer, ou aussi passer l'information. Arigo, rigo, bon arrivé. Arrogue, balé à la place, bon arrivé. Arigo, rigo, arrogue, aïe, 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 Allez, vous m'aimez, oh, pas d'un 78, 88, 89. Que j'ai surpris un braconnier sur la plage qui était en train de dépecer une tortue verte. Et du coup, j'ai essayé de lui faire des reproches. Il a soulevé sa machette contre moi. J'ai commencé à courir. Et il m'a poursuivi. Il m'a tapé les pieds par derrière. Je suis tombé. Et d'ici, je vais tourner. Il avait commencé déjà à me boxer. Parce que pourquoi j'ai dit on ne doit plus manger la tortue aujourd'hui. Ce n'était pas du tout facile pour moi, hein. Un ancien braconnier qui se convertit aujourd'hui à un protecteur. C'est étonnant pour d'autres. La tortue, elle peut pondre 100 œufs en moyenne. Les œufs peuvent durer 45 à 60 jours en moyenne avant de clore. 39, 40. 71, 72, 73. 3 fois relâché, on attend 10 ans ou 15 ans après avant que le bébé ne devienne adulte. Et quand elle va dans la mer, dès le premier jour, sinon que dès la première saison de sa naissance, elle ne doit pas manger rien que l'eau de mer qu'elle prend pour se nourrir jusqu'à au moins 3 à 6 mois.
Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et la bébé? Oui, la bébé, je les ai déjà libérés. Donc, je suis venu me reposer un peu maintenant à la maison. Maman, Mayo, tu n'as pas peur. C'est compliqué hein, pour les rues. Il y a des jours sans. Mon nom à l'état civil, c'est Yé Amiral Pika. Et ici, à Rock, ou bien dans la région, ou bien en Côte d'Ivoire, on m'appelle Pika la Tortue. Pourquoi? Parce que je suis le papa des tortues. Est-ce que qui, parmi vous là, qui connaît une tortue? Vous avez pas vu une tortue? Où ça? Au bas. Au bord de la mer, sur la plage. Oui. Ok. Est-ce que c'est très bon de protéger la tortue? Non. Pourquoi? Les garçons protègent la tortue parce que la tortue est un être vivant comme nous. Ok, c'est bien, mais je voulais juste compléter pour dire on ne doit pas manger la tortue parce que d'abord, un, la tortue est très importante pour notre environnement et elle est aussi en voie de disparition. Donc, on ne doit pas la manger. Est-ce que si nos parents avaient tué toutes les tortues, est-ce qu'on allait trouver les tortues? Si nous, on a mangé aujourd'hui, est-ce que vous, pour la génération qui suit, est-ce que vous allez les trouver? Non. Donc, la tortue est très importante pour notre environnement. C'est ce qu'on a dit, non? C'est ce que Toto Pika a dit, non? Ok, un bain pour elle. Vous connaissez les braconniers? Oui, monsieur. Qui est braconnier? Les braconniers, c'est ceux qui tuent les animaux. Un bain pour lui. Chose que tu protèges, tu dois savoir comment la chose se comporte, comment elle vit. Donc souvent, je vais aussi faire des plongées sous-marines pour voir au niveau de l'habitat si les espèces ne sont pas trop menacées là-bas encore. Souvent, je fais des plongées aussi où je retrouve des tortues. J'essaie aussi de les attraper pour voir leurs conditions de vie, si la tortue n'est pas malade. Après les tortues aussi, il y a aussi des espèces encore. Et c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup, beaucoup d'espèces. Voilà pourquoi je disais que je suis un chercheur aussi.